Qu'est-ce que l'estime de soi, en fait? Au début, je vous ai dit, nous sommes la somme de ce que nous croyons être, en fait, de nos perceptions. Mais en réalité, si on prend de la hauteur, nous ne sommes pas ce que nous pensons que nous sommes. Nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des êtres divins, nous sommes une extension de Dieu, de beaucoup plus grand, en fait, et on provient tous de la même source. Nous sommes un Picasso, nous sommes un Monet, nous sommes la plus belle merveille au monde. Par contre, si je décide, moi, que qui je suis est brisé, qui je suis est quelqu'un de colérique, qui je suis est quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui je suis est quelqu'un qui fait des crises de panique, qui fait de l'angoisse constamment, qui n'est pas capable de se gérer, qui je suis et ses blessures, dès que je crois que je suis ça, je me cristallise dans notre corps de souffrance, dans notre ego, hein, et ça devient mon estime. Mon estime, c'est tout simplement ce que je crois que je suis.